Championnat, c'est une bonne chose, ça donne un titre, mais c'est plus intéressant de gagner le trophée du futur, c'est ce pourquoi on se bat toute la saison. Donc c'est aujourd'hui, on va dire que les choses sérieuses commencent pour notre équipe. On a été un peu l'image du club pendant quelques années, pendant de bonnes années, parce qu'on a commencé à Levallois, on a fait une dizaine d'années à Levallois. Maintenant, c'est vrai que pour eux, c'est très important de nous voir représentants du trophée du futur, parce qu'on est passé par là. Et ça les encourage aussi à se motiver et à pouvoir essayer de gagner ce match-là. Parce que nous, on a perdu deux fois au Trophée du Futur. Donc à eux de prendre la relève et d'aller gagner ce tournoi. On est là pour les encourager, on va les pousser à remporter ce trophée. Faux. Ouais, je dirais que c'est faux aussi. Ouais. Parce que c'est faux les plus difficiles. Ils ont dominé la saison. Ouais. Mais bon, avec le public. Et notre encouragement, je pense qu'on va essayer d'aller jusqu'en finale et pourquoi pas gagner ce tournoi. Sur les deux premiers jours de compétition, je les ai sentis vachement impliqués en défense. On a vu qu'ils n'ont pas encaissé beaucoup de points. Ils ont été solides, les aides venaient bien. Hier, ça a été un peu plus compliqué en début de match, mais au final, ils n'ont encaissé que 49 points, il me semble. Donc non, défensivement, ils sont bien. Après, en attaque, hier, ils n'ont pas été très très adroits, mais ça, c'est qu'une question de jour. Aujourd'hui, ils peuvent l'être. Moi, c'est vrai que l'année dernière, on arrive en finale, on a perdu contre Gravelines. Pour le club, pour les gens qui les supportent toute l'année, c'est vrai que ce serait magnifique qu'ils le remportent pour la première fois. On a échoué trois fois en finale, dont l'année dernière. Et en plus, à domicile, devant le public qui va, j'espère, venir nombreux aujourd'hui. Donc ce serait magnifique. Favori pour le trophée, j'en ai aucune idée. C'est vrai que j'ai pas trop suivi la saison espoir cette année, mais je suis là pour voir les jeunes talents s'exprimer quoi. Un message pour les jeunes, c'est continuer à travailler, garder confiance en vous et c'est étape par étape que vous y arriverez.
je suis fier des mecs, je suis content, fier, heureux pour le club, pour tout ce qu'ils ont fait, pour l'organisation du trophée. On avait à cœur avec tous les mômes de faire mieux que l'année dernière. On l'avait annoncé en début de saison, on pouvait paraître un peu prétentieux. On a réussi à assumer les paroles qu'on a eues tout au long de la saison. Donc on est fiers de nous et on est super heureux. Le public a été extraordinaire. Même quand on commençait, même quand c'était dur, que ce soit hier ou que ce soit en deuxième mi-temps d'aujourd'hui, ils ont toujours été présents, ils nous ont poussé. Très sincèrement, déjà, jouer une finale de Trophée du Futur, c'est énorme. Gagner une finale de Trophée du Futur, c'est énorme. Gagner une finale de Trophée du Futur à domicile, c'est jouissif. Franchement, j'ai pas trop les mots. Un Trophée du Futur organisé à Levallois, devant tout le public. On soulève le trophée, il est là, avec mes coéquipiers qui sont derrière. On est là. Ça va rester gravé dans les mémoires car on a une malédiction de perdre en finale. Là, cette année, on l'a gagné. On est champion, mon frère. Pau, c'était une très bonne équipe, malheureusement pour eux. Leur meilleur joueur, Léo Cavalière, il s'est blessé. Malgré ça, ils ont quand même fait un gros match, mais nous, ici, avec le public, l'ambiance qu'il y avait, on a tout donné, on a fait mieux que Samba,